Vous regardez ETV. Le cinéma guadeloupéen regorge de talents. Le festival Nouveau Regard tentera de les mettre à l'honneur du 13 au 17 mars prochain. Une semaine de projection, de rencontres et de formation. Objectif, donner toutes les clés au 7e art de l'archipel pour se développer. À l'issue du festival, on veut que les choses bougent, que les choses avancent. C'est pour ça que dans nos invités, on choisit nos invités pour qu'ils apportent vraiment un plus. Donc que ce soit des distributeurs, des producteurs ou des réalisateurs qui peuvent peut-être venir faire un film ensuite en Guadeloupe. On veut vraiment du concret à la fin. Donc. Mais au-delà de la reconnaissance du milieu, les projections du festival permettent une diffusion des œuvres bien plus large. C'est le cœur de l'événement, selon Georges Brédan, élu au Conseil régional. Un des moyens de diffuser l'œuvre, de la faire rencontrer un public, c'est le festival. Les festivals sont donc très importants de notre point de vue pour que justement les Guadeloupéens puissent rencontrer les œuvres produites par les Guadeloupéens, mais au-delà, pour que les Guadeloupéens puissent rencontrer des œuvres produites par d'autres également et puissent finalement recevoir d'autres imaginaires de la Caraïbe, puisque ce festival est dédié justement aux imaginaires de la Caraïbe. Au total, 7 films seront récompensés par le jury et les lauréats recevront jusqu'à 4 000 euros. Un encouragement pour une industrie en plein essor.